Bah si. Attends, c'est... Yo les frérots, c'est le vlog 3 qualité les gars, c'est match à déplacement. On va à Prissé-Mâcon. Les frérots, je crois que j'y suis allé il y a au moins 10 ans. Donc ouais, j'étais tout petit. Et là on y retourne, Prissé-Mâcon. On prend tout simplement là le minibus. On en a deux cette fois-ci. Les gars, là on a transporteur de qualité là. Les gars Romain, Pierre, ils jouent avec nous. Ok les frérots, là pour l'instant on n'est pas beaucoup dans le minibus parce qu'on va chercher les autres. Un à Lons, il y a ceux de Dijon, il y en a qui vont directement là-haut. Et puis voilà, vous savez bien que les gars dans le vlog 2 déjà on vous a dit qu'est-ce qu'on devait progresser, enfin sur quoi on devait progresser, tous ces petits détails là, donc j'espère que vous ne l'avez pas loupé. Et puis pour ceux qui sont passionnés de basket, en tout cas là c'est du vlog, c'est tout simplement, je vais vous expliquer un peu comment partager avec vous un peu ce qui se passe dans nos matchs, un peu corriger ce qui va bien, enfin ce qui va mal et ce qui va bien, on va un peu l'évoquer aussi également. Et puis voilà, donc si t'es passionné de basket, t'as plus qu'à t'abonner et appuyer sur le bouton like. Là les frérots, alors là je sais pas ce qu'ils ont fait la nuit. Le chef. Non mais je crois que moi aussi je vais dormir. Là les gars, là je suis juste mis le vlog et tout, mais là je vais faire petite sieste. Là c'est important, hein. Ça va dodo fort, on va ronfler bien correctement, on va rejoindre les autres et puis voilà, tout simplement on se rejoint. Moi en commentaire, s'il y en a qui ont joué ou pas leur premier match, je sais que c'est la reprise aussi pour certains, et s'il y en a qui n'ont pas repris, n'hésitez pas à nous dire en commentaire un peu pour savoir dans quelle région de la France ou même en dehors de la France pour ceux qui ont repris ou pas et comment ça s'est passé les gars. Et pourquoi on est là? Attends, on va pas manger là? Bah non, on est arrivé. Mais non. Bah si. Attends, c'est une blague. Bah non. Et tu joues à 5 à rugby, tu joues mais en matin. Non, attends, moi je croyais qu'on allait manger un petit bout et tout à terre ou un truc. Non. On est déjà arrivé. Mais c'est pour les déplacements de l'année dernière. Hein. Oh non, j'ai dégoûté les gars, je croyais que... Ah non les gars, les frérots, j'ai même pas eu le temps de me masser et tout, c'est déjà arrivé. Ah, il est déjà arrivé. Oh, c'est une blague. C'est l'ensemble là. Ah non, j'ai le seum. On déjeune pas, enfin... On déjeune pas rien là. Non, mais... Il est 16h. Moi j'ai un petit gâteau aussi. Oh j'ai le seum gros, c'est déjà arrivé là. Va dire bonjour à ma fille là, elle t'attend pas depuis tout à l'heure. Ah ouais, ouais, je suis dégueu. C'est toi qui existe dans cette équipe. Il n'y a pas de... T'as mon kéké, j'ai même pas dit bonjour. Ah oui. Ah ouais, moi j'étais choqué frérot. L'odeur du vin là, ça m'a... Pourquoi ça sent le vin là? Regarde, coopérative agricole moi. Ah oui d'accord. Il faut savoir qu'ici c'est une grosse maison de vêtements. D'accord. Donc j'ai récupéré les dotations pour les joueurs, tu vois. Bah oui, parce que tout le monde l'a pas eu encore. Tout à fait. Et moi, tu vois, quoi. Ouais, moi je reste quand même un gars d'équipe quoi. Ah bah il vaut. Il donne ça au gamin, porte le pot, t'as tracé le dos. Tu pas une pute, quand même.
Oh non, bah voilà. Gardez la dégaine du chef. Il a ramené son linge châle. Il a ramené ton linge châle. Voilà, pris c'est Macon. Voilà, stylé, ils ont des affiches tout. Oh, je suis chez le seum. Oh, les frérots, ça c'est stylé. Moi bon, j'espère qu'ils ont des belles toilettes parce que j'ai envie de faire pipi. Oh, oh là là, les gars, ils sont sponsorisés. C'est vrai qu'ils sont sponsorisés par le local. Les gars, ici. Regarde, ils mettent une boisson par personne. Quoi ? Ah ouais, les frérots, ici c'est un autre monde. Ils ont carrément des boissons par personne et tout. C'est stylé. C'est ça, les gars ? Ouais. Tu vas bien ? Hein, toi ? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, ça va. Bonjour. Bonjour. Les gars, là. Là, il nous faut des pancartes comme ça. Là. Ça, c'est bien. Ça. Bon, allez. Allez, frérot. Ça va ? Ça va, les gars ? Et le trajet, il était court, hein ? Ça va, les frérots ? Ça va, la forme ? Ça va, Joe ? Coupé. Oh non. Il n'a pas l'habitude des caméras de Yann. Oh bah super. C'est toi le rookie, tu prends pas ça. Je crois qu'on fait une première. On fait une première mi-temps noire. Puis après, après la mi-temps, on fait rouge. Et chaque carton, au pire, on peut changer. Là. Donc là, c'est début de match, on va se préparer. Donc là, ce vlog, il va être court, parce que franchement, je pensais s'est fait avoir sur ça. Donc là, c'est préparation. On est arrivé bien à l'avance. Et on va se mettre dedans, focus. Chacun va se préparer. Je vais vous montrer un petit peu l'échauffement qu'on peut faire. Compliqué, alors j'avais l'habitude de jouer vers à 20h, c'était mon premier match à l'extérieur les frérots, parce que même les matchs de préparation, j'en ai jamais fait un à l'extérieur, parce que je pouvais pas, donc c'était tout simplement que des matchs à domicile que j'ai fait, donc le premier match à l'extérieur, et en plus de ça, on joue à 17h30, et on arrive, moi d'habitude on fait des petites pauses, et là on n'a pas fait de pause, on a été directement au match direct. Donc voilà, c'est une question d'habitude après, mais rien de grave. Comme vous avez vu, il y a une nouvelle intro. Dites-moi si vous avez kiffé ou pas cette petite intro. Hein, voilà, ça, j'étais tout content de vous la présenter. Ça me faisait chaud au cœur parce que voilà, là pour une fois, c'est moi qui l'a fait. Donc j'ai pris quelqu'un qui l'a fait, j'ai payé quelqu'un et puis hop, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je suis tout content de vous la présenter. Là, on va commencer le vlog. Hein, il va être plus court que d'habitude, mais toujours aussi avec de qualitatif au niveau des points positifs, négatifs, des choses à apprendre dans le basket, des choses que moi aussi, vous allez voir que je vais apprendre également en même temps que vous. Et puis tout simplement, dites-moi si dans le prochain vlog, ce que je vais regarder dans les commentaires, ce que vous voulez un petit peu en plus, sachant que là vous avez vu, vous allez voir, c'est directement la préparation de match dès qu'on part. Mais s'il y a des trucs que vous voulez voir en plus, mettez-le en commentaire, parce que dans le prochain vlog, qu'on joue à la maison contre Chenauve, une équipe de Dijon, donc on pourra pourquoi pas rajouter ça. Si on... N'oubliez
N'oubliez pas juste avant d'aller faire un petit tour si vous voulez sur notre Discord, hein, on parle de tout, il y a des petites rubriques par exemple pour le cross, pour le dunk, pour je sais pas, pour l'arbitrage si tu arbitres, pour le coaching, pour le dribble, voilà. Donc puis chacun parle dans cette rubrique là de leurs soucis ou de ce qui va pas, tout le monde cède, c'est sur Discord. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Donc déjà pour commencer, pour te montrer l'ampleur du truc, c'est que dès le début du match en fait ma caméra l'a pas filmé au moins 5 minutes. Donc déjà ça c'est tu comprends que ça m'énerve un peu, voilà. Donc là j'hésite à reprendre une autre caméra, mais bon, ça commence à faire tout cher tout ça. Ici on part, je me fais trapper sans surprise, on lève la tête et on regarde directement. Déjà ma première trappe, au début j'avais pas, je m'étais bien fait trapper, j'ai perdu 2 balles. Donc la deuxième là c'était un peu mieux. Là regarde, tout le monde tombe, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, là on prend le ballon, on essaye de jouer contre-attaque, j'aide en attendant mon grand à se relever. Là je vais pour attaquer, il y a une faute, j'ai des lancers, j'en ai que 1 sur 2. Donc voilà, là on est là, j'attaque, je donne à l'opposé, ça shoot, on se bat pour le rebond. Gilles arrive à l'avoir, notre grand, et la deuxième fois il la remet. Donc ça va, c'est cool. Là j'ai pas forcément bloqué, donc tu vois, le premier carton va déjà être fini. François est tout seul en bas, ça c'est cool qu'il ait pensé à couper derrière le dos. Donc là n'hésitez pas si vous êtes, si vous jouez comme ça. Shoot de notre Serbe, donc lui il est à droite, hein. Ça c'est plus que certains ailiers, donc ça c'est cool. On se sert de l'écran, le flotteur on le prend, des lancers francs, c'est aberrant. Les gars c'est aberrant, ouais j'avoue que là le flotteur des lancers francs, on regarde à l'opposé, on lâche le ballon. Qu'est-ce qui se passe là? Hop, là je suis à l'opposé, je demande au pour couper. Bon, on l'a pas forcément, on perd la balle. Qu'est-ce qui se passe? Ça redonne à l'opposé ici, ça donne encore à l'opposé, ça shoot. Il y en a qui, là il va au rebond, il se la rejoue, c'est pas possible, on la ressort. Très bien. Donc là, voilà. On me dit d'aller tout là-haut. Qu'est-ce qui se passe? On donne à notre 9 qui a été très adroit. Là je loupe ça les frérots, je loupe ça. Je vous en parlerai après, mais vous allez voir que, bon, bref, on en parlera après les frérots, vous inquiétez pas. Là, on tente une autre petite contre-attaque. Je vois que derrière ça, monsieur, on lâche une super passe. En tout cas, mon Joe, ça, c'est cool. Là, je vais chercher, j'essaie d'aller chercher la faute. Je ne l'ai pas forcément. On relâche derrière parce que la première, je ne l'ai pas lâchée. J'ai essayé de la jouer pour moi. Donc, j'essaye de varier un petit peu ça. Hop, là, il avait du mal. Boum, c'est shooté. Notre 3 points. Là, ça fait plaisir. Là, c'est déjà parti pour de l'autre côté. Shoot encore le 9. Boum. Ouais, lui, il était chaud. Hein. Donc là, lui 2, il commence à revenir. Donc ça fait plaisir. Je lui relâche. Boum! Encore. Passe d'essai. Il va, les frérots, avec mon Ludo. Non, lui, c'est grave cool. Ludo, pour savoir, c'est le capitaine. C'est lui que dès que je vais pas bien, j'ai une baisse de morale. C'est lui qui me remet dedans. Voilà, comme sur ce match-là, je vous expliquerai. Mais c'est lui qui est. C'est le capitaine, quoi. C'est mon gars, tu vois. Donc ça fait grave plaisir. Là, il revient. Hop, il est chaud. Il se bat encore comme un chien. Là, je vais mettre mon petit. Ça veut pas. J'ai loupé, je sais pas combien de double pas. Peut-être 10 double pas. C'est n'importe quoi. La contre-attaque, ça fait du bien quand même. Boum, on remet derrière. Mais ça fait 3. Le 11, il s'est fait surprendre. C'était assez marrant. Voilà. Ah, il y a faute. Donc là, ouais, faute en même temps. Donc là, c'est parti. Ça fait 2 lancers pour notre Joe qui l'aimait. Donc ça fait grave plaisir. J'attaque. Il y a faute parce qu'il réduit la distance. Tout simplement. Voilà, là je me bats pour le rebond, j'arrive à le ravoir le ballon, du coup j'ai une faute derrière en me battant pour le ballon et je fais toujours 1 sur 2. Notre Ludo qui plante à 3 points parce qu'ils l'ont laissé shooter malheureusement pour eux. Là le petit cross, faute derrière, donc on récupère le ballon, je réattaque, je loupe encore un lancer franc, les frérots, comment réagir par rapport à ça? Comment rester dans son match? Bon, c'est compliqué, mais je vais vous montrer quelques petits trucs. Boum, là ça shoot de notre Kevin, il plante à 3 points. À 3 points les gars, ça pardonne pas. Donc là j'arrive encore à avoir une faute, j'ai provoqué beaucoup de fautes, donc ça c'est bien. Pour que ça soit qualitatif, sur ça, savoir les points positifs et négatifs, et pour que ça vous serve également et que ça me serve également. Déjà en points, on va prendre les points négatifs, vraiment. Les points négatifs, c'est que déjà moi, physiquement, j'étais... T'as bien vu au début de vlog, j'étais fatigué. Pourtant j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai tout ça, mais j'étais à la ramasse. J'étais déconnecté, je savais même pas. Je croyais qu'on allait manger au début, mais en fait, non, il y avait le match, les frérots. Là, j'étais, voilà. Donc ça, voilà. Donc, bon, ça m'arrivera, je pense, qu'une fois, peut-être deux fois dans ma vie, mais bon, voilà, ça arrivait là. Ensuite, bah, mes jambes, elles étaient au ralenti, donc j'essayais de défendre comme je pouvais. Donc, bon, ça va, j'ai bien défendu, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup trop de paniers loupés.
beaucoup trop de paniers loupés, se remet double pas, des trucs tout simples. D'habitude, c'est, ça rentre dedans, tu vois. C'est des trucs simples que d'habitude, de, voilà, tu regardes, tu dis, ah ouais, simple, il l'a mis. Bah là, c'est simple, il l'a pas mis, tu vois. Donc, c'est compliqué. J'ai quand même mis un 3 points au début, avec une bonne pénétration dès le début qu'on n'a pas en vidéo. Ça, c'est, voilà. Mais sinon, voilà, c'est ces trucs tout loupés qui sont un peu compliqués. Après, en point positif, bon, c'est vrai que point positif, négatif, toi, ça juge. C'est-à-dire que je vais attaquer des fois, j'y vais tout seul, boum, je loupe. Bah derrière, je vais attaquer, je sais que j'ai attiré, je relâche. Puis des fois, quand je vais tout seul, bah c'est là qu'il y a deux personnes sur moi ou trois personnes sur moi. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est plus important. Qu'est-ce que fait la défense? C'est-à-dire que quand j'attaque, il ne faut pas oublier, mais même vous, il ne faut pas oublier que quand vous attaquez, qu'est-ce que fait la défense finalement? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et par rapport à ça, tu vas savoir que, ah, lui, putain, il est vachement en net. Ça veut dire qu'il y a un joueur à toi tout seul. Voilà, il faut regarder ça. Et moi, je pense qu'il faut que j'aille regarder encore un petit peu plus ça. Et après, un point positif, c'est que j'ai pénétré beaucoup. Donc, j'ai provoqué beaucoup de fautes. J'ai été agressif sur ça. Malgré mes loupés, je me suis pas frustré. Mon objectif, c'était de gagner. Et les points, moi, malheureusement, bon, mes points personnels, je m'en fous un peu. Moi, je veux dunker. Et là, ça n'a pas dunké. Ça, par contre, ça me frustre énormément. De pas dunker, ça me frustre énormément. Voilà, parce que j'ai travaillé 3 mois et demi pour ça. Et là, derrière, je dunk pas en match. Donc, ça me saoule. Donc là, il est lundi. Je vais aller déposer le minibus du club parce que c'est à moi de le faire, machin. Je vais aller à la salle. Je vais aller buter encore mes jambes. On va aller chercher des trucs plus intelligents et boire de l'eau à maximum. On va tout mettre de son côté pour réussir à dunker. Dunker, dunker. Les gars, c'est pas quand tu mets un double pas ou un petit shoot à 2 points que les gens sont waouh. Non. Si tu veux faire lever la salle, les frérots, il faut dunker. Il n'y a pas le choix. Et moi, ce que je veux, j'ai beau mettre, je sais pas, je peux mettre 5, 6, 20, 30, 40 points, j'en ai rien à foutre. S'il n'y a pas de dunk, pour moi, ça ne me va pas. Il faut aller chercher du dunk, les frérots. Donc, tu sais c'est quoi mes missions? Laissez ça. On va corriger, en tout cas, pour le bien de l'équipe, pour tout le monde, et pour même pour moi-même, les petits trucs comme ça, comme je vous ai dit. Donc, les points positifs, voilà. La pénétration, c'était cool. Provoquer des fautes, c'était cool. Mon alternance au niveau de tout ça, c'était bien. Je suis resté quand même, je suis dans mon match. Malgré tout, mes paniers loupés, j'ai pas fait l'américain. Ah, j'ai loupé, machin. Non, non, déjà, je suis pas comme ça. Et on a gagné. J'avais grave le smash. J'étais grave content. Voilà, j'étais grave content. Mais voilà, il faut dunker les frérots. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux, j'ai même un site sur ça pour comment dunker avec des exercices. De toute façon, il y a le lien dans la description, donc fais comme tu as envie si tu veux aller checker ça. En tout cas, les gars, voilà, c'était vlog court, mais quand même qualitatif. J'espère que le prochain vlog, vous serez présent comme vous êtes présent depuis le début, parce que ça fait grave kiffer. Et sans vous, j'aurais pas cette motivation-là. Tu vois, là, il est là, je suis lundi matin. Je me suis levé, il était 6h40, faut que je fasse le vlog, tout ça, j'enchaîne tout dans la journée, mais voilà. Mais ça me fait grave plaisir parce que derrière, je sais que vous êtes actifs. Sur le bouton like, sur le bouton vous abonner, et bientôt peut-être 100 000 abonnés. Alors ça, on n'y est pas encore pour l'instant, mais on espère quand même. Allez les gars, bonne semaine à vous, restez focus, entraînez-vous bien, peu importe le match que vous avez fait, restez bien focus, les pieds sur terre, et tout ira bien, et défoncez tout pour le samedi qui arrive ou le dimanche pour ceux qui jouent.